Le candidat modéré Hassan Rouhani sort largement en tête du premier tour des élections présidentielles en Iran. Sur près de 18% des bulletins dépouillés, il obtiendrait 52% des suffrages, soit un score suffisant pour l'emporter dès le premier tour. Le seul candidat religieux en lice devance donc les trois candidats conservateurs, dont Mohammad Bakr Khalibaf. Le maire de Téhéran obtiendrait, d'après ses premiers résultats, environ 17% des suffrages. Il a près de 4 points d'avance sur Saïd Jalili, le chef des négociateurs nucléaires. Il s'agit de résultats pour l'instant très partiels. Le taux de participation tournerait, lui, autour de 80%.